Comme chaque semaine, nous sommes sur le plateau de Business Matin spécial Bourse pour faire le point des marchés financiers concernant la BRVM. Et pour faire ce point, nous sommes toujours avec notre spécialiste des marchés financiers, Lodamas. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. Alors, dans l'ensemble, comment s'est comporté le marché? Oh, le marché a clôturé son parcours de façon mitigée. L'indice BRVM 10 a clôturé à la baisse et l'indice BRVM composite a terminé en hausse. Donc vous voyez qu'il y a eu une certaine contradiction. C'est pourquoi nous parlons de clôture de façon mitigée. De façon mitigée, on va commencer par les indices principaux. Bien, donc comme je le disais tantôt, en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM 10 est passé de 211,47 à 210,98 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,23%. Le BRVM composite est passé de 231,82 à 232,45, une hausse hebdomadaire de 0,27%. On continue avec les indices sectoriels. S'agissant des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a progressé de 2,72%. Le BRVM Service Public a trébuché de 1,80%. Le BRVM Finance a enregistré une hausse hebdomadaire de 1,15%. Le BRVM Transport a évolué de 0,11%. Le BRVM Agriculture a enregistré une envolée hebdomadaire de 5,16%. Le BRVM Distribution s'est amélioré de 1,79% et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 222,10 points. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on ne parle plus des trois plus fortes hausses ou des trois plus fortes baisses. On parle plutôt des quatre plus fortes hausses et des quatre plus fortes baisses. Okay. À ce niveau, on s'intéresse aux quatre plus fortes hausses, Lodamas, cette semaine. Bien, s'agissant des quatre plus fortes progressions hebdomadaires, il faut noter que le titre Sucre Ivoire Côte d'Ivoire a clôturé à 1590 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 38,86%. La valeur Neiceda Côte d'Ivoire est passée de 77 à 94 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 22,08%. La valeur Bernabé Côte d'Ivoire a clôturé à 2850 francs CFA, soit une évolution hebdomadaire de 16,33%. On termine avec le titre Sicable Côte d'Ivoire qui est passé de 1600 à 1800 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 12,50%. Alors les tendances baissières à présent, les quatre plus fortes baisses. Ok, donc s'agissant des quatre plus importantes chutes de la semaine, on note tout de suite que le titre EcoBank Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 24 480 francs CFA, soit une chute de 5,79%. Le titre BCC est passé de 8450 à 8195 francs CFA, soit une baisse de 3,02%. La valeur Sicor Côte d'Ivoire a terminé à 3850 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 2,65%. On termine avec le titre Sonatel Sénégal qui est passé de 22250 à 21700 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 2,47%. Alors, Lodamas, merci. En début d'émission, vous avez dit que le marché s'est très bien comporté et on va le vérifier avec les valeurs à surveiller. D'accord, j'avais surtout dit que le marché a clôturé de façon mitigée. Okay. D'accord. Il y a eu des mouvements de hausse, des mouvements de baisse. Et donc, pour revenir donc aux valeurs à surveiller, nous allons commenter quatre valeurs spécifiquement aujourd'hui. Non. Nous allons parler du titre, encore une fois, du titre Neiceda Côte d'Ivoire. Ça continue. Oui, il y a beaucoup de mouvements à signaler à ce niveau. Ensuite, nous allons parler du titre Sonatel Sénégal. Nous allons poursuivre avec la valeur Palmsi. Et nous allons terminer avec le titre Vivo Énergie
Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de quatre valeurs à suivre cette semaine. Exact. Neyi Seda, Sonatel, Palmsi et Vivo Energy Côte d'Ivoire. C'est exact. On va avec les commentaires. D'accord, on commence tout de suite avec le titre Neyi Seda Côte d'Ivoire qui est passé de 77 à 94 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 22,08%. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous constatez que le titre Neyi Seda Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de croissance de 154,05%, ce qui est une performance vraiment extraordinaire. Extraordinaire, oui. Donc, on remarque avec tous les investisseurs qu'il y a une forte accélération sur la valeur Neyi Seda Côte d'Ivoire. La semaine dernière, on était à autour de 108% de croissance. Okay. On a franchi la zone des 125% et on est maintenant à 154% de croissance. Au-delà même des estimations. Oui, c'est un titre vraiment qui surprend tout le monde. Certains analystes parlent déjà de surévaluation de la valeur Neyi Seda Côte d'Ivoire. D'accord. Donc on s'attend plus ou moins à une correction sur cette valeur. On se dit qu'il y a probablement beaucoup de spéculateurs qui vont chercher à sortir du marché. Ouais. La semaine dernière, je faisais même ce commentaire. Mais on constate... L'occasion est belle de toute façon. Les mieux. Voilà, on constate que le titre continue son accélération. C'est vrai qu'en bourse, on a l'habitude de dire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais en ce qui concerne la valeur Neyi Seda Côte d'Ivoire, elle surprend agréablement tout le marché. Ouais. Et pour l'instant, nous sommes à 154,05% de croissance. Alors, à l'analyse des choses, le prochain objectif sera certainement la zone des 175% de croissance. D'accord. Donc, il va falloir surveiller cette zone de très près. Et justement, lorsque vous analysez les quantités résiduelles à la date du vendredi dernier, vous remarquez qu'il y a toujours ce qu'on appelle une force acheteuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont encore intéressés par la valeur Neyi Seda Côte d'Ivoire. Malgré la forte accélération qu'on constate, il y a encore des investisseurs ouais. qui veulent détenir les titres Neyi Seda Côte d'Ivoire. Et la demande est très forte sur cette valeur-là. Donc, lorsque vous analysez les quantités résiduelles, notamment la ligne Neyi Seda Côte d'Ivoire, à la clôture du marché, vous constatez qu'il y a actuellement dans le carnet d'ordre autour de 45 275 ordres de vente. Pardon, pas ordres de vente. Il y a exactement 45 275 ordres d'achat. 45 275 ordres d'achat, mais surtout des ordres d'achat au prix du marché. Ouais. Vous comprenez, le jeudi dernier, nous étions à 4757 ordres d'achat au niveau des quantités résiduelles. Et à la date du vendredi, on est passé de 4000 à 45 275 ordres d'achat au prix du marché. D'accord. Juste pour vous faire constater qu'il y a une forte demande actuellement sur les titres Neyi Seda Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, donc, lorsque nous analysons ces différents éléments, nous pensons qu'il est fort probable que le mouvement haussier constaté au niveau de Neyi Seda Côte d'Ivoire, que ce mouvement-là donc se poursuive d'accord. à l'entame de la semaine prochaine, avec pour prochain objectif certainement la zone de 175% de croissance. Ouais. Mais en même temps, nous ne le cesserons de le répéter, il faut surveiller ces zones stratégiques. D'accord. Déjà, à plus de 100% de croissance, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Okay? Donc, si on arrive à 175% de croissance, certains investisseurs, certains spéculateurs vont probablement chercher à sortir du marché. Donc, c'est vrai, la demande est très forte sur la valeur Neyi Seda Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous avons atteint un niveau extraordinaire et il est fort probable qu'on assiste dans les prochains jours à une correction sur cette valeur. Vous d'accord, comprenez. D'accord. Donc, Neyi Seda est à surveiller de très près. La zone des 175% de croissance est à surveiller de très près. Pour l'instant, nous sommes à 154,05% de croissance. Alors, Neyi Seda qui tutoie le record de croissance après ce titre. Alors, donc après la valeur Neyi Seda Côte d'Ivoire, nous souhaitons commenter le titre Sonatel Sénégal. D'accord. En termes de valeur boursière, ce titre est passé de 22 250 à 21 700 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 2,47%.
Et lorsque vous prenez également pour repère la fin de l'année 2017, vous apercevez que le titre Sonatel Sénégal affiche actuellement une chute de 7,66%. Alors, l'information principale relative à ce titre, c'est que la société Sonatel Sénégal a rendu public ses états financiers de l'exercice 2017. Et à l'analyse de ces documents comptables, on constate que le chiffre d'affaires s'est amélioré de 7,50% pour valoir un montant de 972,9 milliards de francs CFA. D'accord. Et le résultat net a malheureusement baissé de 6,3% pour se retrouver à 202,2 milliards de francs CFA. Alors, il y a beaucoup de commentaires à faire sur Sonatel Sénégal. Aujourd'hui, nous allons nous limiter à ses agrégats, okay, à ses soldes intermédiaires de gestion. Et à la prochaine émission, nous allons revenir en détail sur Sonatel Sénégal. En ce qui concerne nos prévisions boursières, nous pensons qu'il va falloir s'attendre à un prolongement du mouvement baissier qui a été constaté durant la semaine écoulée. Ouais. Et donc, il va falloir prêter vraiment attention à Sonatel Sénégal qui a fait preuve d'une baisse de performance à la clôture de l'exercice 2017. Donc, nous reviendrons très bientôt sur ce titre. D'accord. Avant de revenir sur plus de détails sur ce titre, on va passer à la troisième valeur à surveiller qui n'est autre que Palmsi. Alors, en ce qui concerne le titre Palmsi, on rappelle tout de suite en termes de cotation qu'il est passé de 5 900 à 6 450 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 9,32%. Et Palmsi affiche également, en prenant pour repère la fin de l'année 2017, donc ce titre affiche actuellement un taux de croissance de 17,27%. Mmh. Alors, on rappelle à juste titre que la société Palmsi a terminé le troisième trimestre 2017 avec un chiffre d'affaires en progression de 18%. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 94% et le résultat net a progressé de 98%. Donc, la société Palmsi a terminé le troisième trimestre avec de très bons chiffres et le marché attend donc la publication des états financiers du quatrième trimestre 2017. Mais pourquoi il va falloir s'intéresser à Palmsi dans les prochains jours? Parce qu'en fait, lorsque vous regardez également de très près les quantités résiduelles à la clôture du marché, je vais dire donc à la date du vendredi dernier, vous notez la présence de 10 ordres d'achat. D'accord. Sur la ligne Palmsi, on a donc 10 ordres d'achat au prix du marché. D'accord. C'est un indicateur très important et à l'opposé, on n'a pour l'instant aucun ordre de vente. Alors, nous pensons qu'il est fort probable que le titre Palmsi enregistre une accélération à partir de la semaine prochaine. Okay? Donc, ouais, il va falloir surveiller de très près cette valeur et nous recommandons ce titre à l'achat pour tous ceux qui pratiquent la spéculation au niveau du marché des actions de la BRVM. D'accord. L'industrie extractive est aussi à l'honneur au niveau des valeurs à surveiller avec le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne donc cette valeur pétrolière, on rappelle qu'au niveau de la BRVM, elle est passée de 910 à 1000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 9,89%. Et Vivo Énergie Côte d'Ivoire enregistre également un taux de croissance de 11,11% en prenant pour repère la fin de l'année 2017. Alors, on rappelle rapidement au niveau des états financiers du premier semestre 2017 que Vivo Énergie Côte d'Ivoire a brandi un chiffre d'affaires qui s'est amélioré de 18%. Le résultat d'exploitation, par contre, a chuté de 3% et le résultat net a enregistré une hausse de 3%. Alors, le marché attend vraiment avec impatience la publication des chiffres du troisième trimestre 2017, okay, de cette entreprise. Mais quand vous prêtez également attention aux quantités résiduelles affichées au terme, comme on appelle, des cotations du vendredi dernier, d'accord, vous remarquez au niveau de la ligne Vivo Énergie Côte d'Ivoire, vous remarquez donc la présence de 530 ordres d'achat au prix du marché. D'accord. Et en face, on n'a aucun ordre de vente. Ouais.
OK? Donc, comment interpréter cette information stratégique? Cela veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts actuellement à acheter des titres Vivo Énergie Côte d'Ivoire au prix du marché et pour l'instant, ils n'ont pas de proposition en face. D'accord? Donc, à l'analyse de cette information, nous pensons qu'il est fort probable que le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire poursuive son mouvement haussier dès l'entame de la semaine prochaine. OK? Donc, en conséquence, nous recommandons cette valeur à l'achat en attendant évidemment la publication des chiffres du troisième trimestre 2017. Et en ce qui nous concerne, oui, nous pensons que les chiffres de ce troisième trimestre seront très bons. D'accord. Voilà. Alors, on va très vite récapituler hein, au niveau des valeurs à surveiller. On a le titre Neïcida, on a Sonatel Sénégal, Palmsi et Vivo Énergie Côte d'Ivoire. On va à présent parler de l'or, du pétrole Brent et du pétrole WTI qui nous permet d'aller à l'international. OK, donc sur les marchés internationaux des matières premières, l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1328,50 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 1,70%. Le pétrole Brent est passé de 65,03 à $67,18 le baril, soit une hausse hebdomadaire de 3,31%. Et le pétrole WTI a clôturé à $63,63 le baril, soit une hausse hebdomadaire de 3,03%. D'accord. Merci, Lodamas. Merci pour ces informations que vous nous donnez toujours hein, sur les différents marchés financiers qui animent la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Un dernier conseil avant de clore l'émission. Oh, en termes de dernier conseil, on veut tout juste attirer l'attention des téléspectateurs donc sur le fait que nous allons entrer dans le mois de mars. Et le mois de mars est un mois stratégique parce qu'on va certainement assister à beaucoup de publications. Vous comprenez? D'accord. Voilà, et le titre, enfin la société Sonatel a déjà donné le ton. Sonatel a donc publié ses états financiers de l'année, enfin de l'exercice 2017. D'accord. Alors en pareille circonstance, on va certainement observer plus de volatilité sur le marché. Donc il y aura également plus de publications d'états financiers relativement à l'exercice 2017. Donc le marché sera certainement plus volatile, plus tendu. Et eu égard à cela, nous encourageons les investisseurs à beaucoup de vigilance. Mais surtout, il va falloir bien analyser les états financiers qui seront publiés parce qu'ils auront probablement, je dirais même certainement, un impact sur les trajectoires boursières des différents titres cotés sur le marché des actions de la BRVM. Donc, nous entrons dans une période très sensible, une période qui sera probablement très mouvementée. Et donc, il va falloir que les investisseurs soient très, très, très vigilants. Et la vigilance, on compte aussi sur vous, sur vos conseils pour que vous donnez toujours aux investisseurs et potentiels investisseurs de Business 24 Africa. Nous sommes à votre disposition. Dans le cadre justement de l'émission Business Matin spécial Bourse. Nous sommes à votre disposition. À la semaine prochaine, on compte sur vous. Merci bien. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Business Matin spécial Bourse. À très bientôt pour un autre numéro sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa.